contrôle. Ici, le SSV Normandie demande donc vecteur et autorisation d'appontage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la Citadelle. Nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permissie, moi. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Ça suffit. Il y a un problème, officier ? Dans votre intérêt, j'espère que non. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Vous d'abord. Nous représentons la loi ici. Faites preuve de respect. Je suis le capitaine Maeko Matsuo, Delanos Risk Control Service. Je suis un spectre. Mon nom est Shepard. C'est des conneries, chef. Nous allons demander confirmation. Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. Sûrement pas. Personne ne me prendra mon arme. On joue ! Nous sommes habilités à employer la force. Je vous laisse jusqu'à 3 pour déposer vos armes. 1, 2, 3. Capitaine Matsuo, baissez vos armes. Leur identité est confirmée. Les Spectres sont autorisés à porter des armes ici, capitaine. Vous pouvez y aller, Spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Palacini-san vous attend à l'étage. Tenez-vous tranquille. Je suis sûre que Palacini-san répondra à toutes vos questions. Je suis Gianna Parassini, l'assistante de l'administrateur à Noleis. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. Quelqu'un a pissé dans le café de votre chef de la sécurité ? Elle prend son travail à cœur. C'est un excellent élément de la société. Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions ? Votre sécurité est très importante pour un si petit port. Le directoire fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de nos clients. Je dois être en mesure de mener mon enquête librement. Faites attention. Le directoire n'est pas à prendre à la légère sur le plan juridique. Il vous faudrait une avocate à Sari s'il vous faisait un procès. Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment ? Étranges ? Oui. Une matriarche à Sari est passée il y a quelques jours. Dame Benezia. Le bras droit de Saren est ici ? Passée seulement. Où est-elle maintenant ? Benezia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelque temps. A priori, elle y est toujours. Dans ce cas, c'est là qu'il faut que j'aille. Vous devez demander à l'administrateur anoléiste l'autorisation de quitter ce port. Où se trouve l'administrateur ? Son bureau est au niveau principal, à gauche en sortant de l'ascenseur. C'est noté. On peut y aller maintenant ? Bien sûr. Si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Commandant. Nous devrions emmener le docteur Tsoni avec nous. Elle connaît sa mère mieux que n'importe lequel d'entre nous. Bienvenue à Port Anshan, le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie. Dans votre propre intérêt, et afin de protéger la vie privée des autres résidents,
Veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité. N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite et bon séjour. Ces salutations. Êtes-vous le spectre qui visite Port Anshan? Les nouvelles vont vite ici. Effectivement, honorable spectre. Votre arrivée n'a pas suscité un grand enthousiasme dans les sociétés. Pourriez-vous l'aider à résoudre un problème? Si un accord est trouvé, on vous récompensera. Un article très spécial lui est parvenu pour un client. Cet objet n'est pas autorisé dans la station, mais vous pourriez lui faire passer la douane. En somme, vous voulez que j'use de mon statut pour faire de la contrebande pour vous? Cela n'est pas inexact. Je suis censé faire respecter la loi, pas l'enfreindre. On comprend, mais on maintient son offre. Votre aide, lui, est cruciale. Votre magasin est ouvert? Absolument. Il vous est fait des excuses pour le désagrément. Auriez-vous par hasard reconsidéré sa demande d'aide? On verra plus tard. D'abord, j'ai besoin de provisions. Absolument. Il vous est fait des excuses pour le... Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Livre de bord. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement.
Sortez de là. Désolée pour mon accueil musclé. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Je suis responsable de la sécurité et de la confidentialité des sociétés implantées ici. L'arrivée d'un vaisseau de guerre de l'Alliance était inattendue. Je peux comprendre que ma présence rende nerveuse certaines personnes. J'espérais que vous comprendriez. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, commandant ? Pourquoi êtes-vous là ? Vous gardez mon vaisseau ? Toutes les sociétés ont des secrets. Certaines d'entre elles ont des activités assez peu légales. La présence d'un spectre rend les clients nerveux. Anoleis Sama croule sous les pétitions visant à vous expulser. Vous êtes donc en train de protéger le Normandie contre les sociétés ? Je les protège surtout contre elles-mêmes. Aucune n'a le personnel ni les moyens de s'attaquer à une frégate de l'Alliance. Parlez-moi de vous. À vous l'honneur. Moi, je suis juste une employée de la sécurité. On dit qu'il n'y a pas de spectre humain. Comment avez-vous eu le poste ? Mon équipage et moi-même étions présents lors du raid de Saren sur Eden Prime. C'est vous qui avez neutralisé la bombe ? Ça se tient. Le sang-froid est une qualité importante aux affaires spéciales. J'ai servi dans les Marines pendant une dizaine d'années. Puis, j'ai décidé de rejoindre le secteur privé. Comme j'avais une bonne expérience militaire, j'ai fini à la tête de ce service. Il y a des gardes partout. Vous avez tant de problèmes que ça par ici ? Palacinissan a dû vous sortir le discours habituel sur les activités locales. Tout le monde veut être protégé de tout le monde. En même temps, chaque société pense avoir le droit de taper sur l'autre. Elles ont chacune leur propre service de sécurité, non ? Elles ont tout, du hacker au mercenaire. Il y a des investissements à protéger après tout. Mais nous sommes les seuls autorisés à porter des armes. C'est pour ça que les sociétés essaient en permanence de soudoyer mes hommes. Je dois être très stricte avec le travail en freelance. Si l'un de mes hommes se laisse appâter, je le vire. Votre rôle est d'anticiper les problèmes, pas de les résoudre. Mon travail requiert surtout de la diplomatie. Deux sociétés entrent en conflit, mes hommes arrivent, montrent les dents et la discussion reprend poliment. S'il y a quelque chose que ce métier m'a appris, c'est l'impartialité. Je vais devoir vous laisser. Très bien, commandant. Essayez d'éviter les ennuis. Auriez-vous par hasard ? On verra plus tard. Absolument. Il vous est fait... Auriez-vous par hasard reconsidéré ? On verra plus tard. Absolument. Je faisais juste un tour d'horizon. Il vous a humblement demandé de bien vouloir réfléchir à sa proposition. Auriez-vous par hasard reconsidéré ça ? On verra plus tard. Absolument.
Je suis en service, Spectre. Je ne suis pas censé vous parler. Je peux vous aider ? Quelle taille font les complexes de recherche ici ? Nous avons 17 complexes dans les montagnes. Chaque installation est autonome et compte des centaines d'employés. Parlez-moi des sociétés implantées sur Noveria. Plus de 250 entreprises de haute technologie louent nos laboratoires. Nos principaux actionnaires incluent Elanos Risk Control Services, Twinelix et Synthetic Insights Limited. Vos gardes travaillent pour l'ERCS, n'est-ce pas ? Le directoire bénéficie de tarifs sur la sécurité. Elanos développe également des armes mortelles et non mortelles. Twinelix, il travaille dans la génétique ? Twinelix est un leader de la génétique et de la biotechnologie. Ils essaient de rester discrets auprès des médias. Leurs recherches concernent en grande partie les modifications biotiques, ce qui énerve de nombreux écologistes, néoludistes et autres groupes fondamentalistes. On n'a pas parlé de Synthetic Insights aux infos récemment ? C'est l'une des 4 sociétés exclusivement habilitées par le Conseil de la Citadelle à développer l'intelligence artificielle. Synthetic Insights a beaucoup d'ennemis. Or, personne n'a jamais réussi à déjouer notre sécurité. C'est pour cela qu'ils investissent beaucoup ici. J'aimerais parler à Anoleis. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Anoleis ? Oui, quoi ? Quoi ? Le commandant Shepard demande à vous voir, monsieur. Très bien, faites-le entrer. Vous ne m'en voudrez pas si je reste assis. Je n'ai pas de temps à perdre avec des péquenauds des colonies. Vous avez un problème avec les colonies ? Elles ne connaissent rien à l'économie. Elles sont toutes protectionnistes et communistes. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopérerai dans les limites fixées par le directoire. Si les sociétés s'installent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez aucun protocole de sécurité ? Ne soyez pas ridicule. Vous pensez qu'une société à but lucratif ne prendrait aucune précaution contre les dégâts organiques et matériels ? Ici, ce sont les chefs de projet qui ont la haute main, pas ces fouineurs de politiciens. Opold veut que je fasse passer des marchandises de contrebande. Il me faut plus que de simples paroles pour pouvoir agir. Apportez-moi cette marchandise et j'aviserai. Et vous allez l'arrêter ? Personne n'aime les procès ici. Ce genre de choses rend les clients nerveux. Il est plus probable que nous le laissions partir. Bien entendu, il sera sur la liste noire de toutes les sociétés. Et que ferez-vous pour moi en retour ? Je vous dédommagerai. Le montant exact dépendra de la gravité de l'infraction commise par Opold.